Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur de nouveau du logbait parce que vous voulez du logbait, vous en redemandez, vous kiffez ça. Donc on a du logbait avec une nouvelle personne sur le channel, le roi Arthur. Bienvenue à toi. Merci. Salut Naxipa, salut à tous. Alors du coup, tu es un joueur free to play, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça, j'ai jamais mis d'argent dans le jeu. Et t'as quand même un deck qui est presque full 13. Presque maxé, ouais, il me reste juste les légendaires, mais c'est long. Ça fait combien de temps du coup que tu joues? J'ai commencé à la sortie du jeu, donc vraiment au tout Ah départ. ouais, d'accord. Donc ça doit faire 3 ans, et j'ai fait une petite pause de 2-3 mois, et j'ai repris à la mage. Ok, top. Et du coup, tu as dû être content quand même du système de jetons pour les free-to-play, c'est quand même un ajout sympa. Ouais, mais avant, j'avais pas la tour de l'enfer max, la roquette non plus, enfin j'ai maxé mes cartes comme ça. Ouais, non, ça fait plaisir. Hein. Que ce soit. Enfin, toutes les cartes, je trouve que le ratio que tu peux échanger avec les jetons est vraiment bon, quoi. Ouais, c'est ça, parce que si tu fais les guerres de clan, tu fais les défis une fois par semaine, t'as 2 légendaires par semaine. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, du coup, ça peut monter. Alors, effectivement, sur la version que tu joues de Logbait, il y a 2 légendaires, ce qui complique un peu plus le côté free to play. Ouais, c'est ça. Bah, c'est plus problématique, c'est un peu au niveau de la princesse. Ouais. J'ai beaucoup one shot, alors que si je l'aurais 13, ça avantagerait un petit peu sur certains matchs. Ouais, la bûche c'est moins gênant, hein, je pense. La bûche c'est moins gênant. Parce que t'as Après, connu c'est hein, la pour bûche 11 du coup, hein, la bûche qui one-shot pas. ça. Je l'ai passé récemment en plus. Ouais, Tout juste. ça a dû faire la diff pour toi. Du coup, tu nous as Beaucoup. partagé plusieurs replays. Du coup, je te propose qu'on les prenne dans l'ordre, si ça te convient. Ouais, ça Et marche. puis tu nous partages un petit peu ton expérience, ton point de vue sur le logbait. Bah c'est parti du coup. 3, 2, 1, go. Alors, ici, c'est un clan français, c'est ça NVS? C'est ça, c'est un clan parfait. Information que tu m'as donnée, hein, évidemment. Alors, ici, tu es contre du géant gobelin sapier. Comment tu dis que tu vas aborder le match-up? Le match-up est plutôt assez satisfaisant parce qu'il n'y a pas de bûche, il n'y a qu'un zap pour aller gérer mon fût. Ouais. Et dans le pire des cas, il y a l'électro-sorcier. Mais du moment qu'il n'y a pas la bûche, pour moi, c'est favorable. Oui, d'accord. Surtout, c'est effectivement si c'est zap. Zap, c'est vrai que c'est. Zap boule de neige, c'est favorable. Ouais. Alors, du coup, ta princesse qui va évidemment se faire gérer par l'AMG tranquillement. Après, l'AMG elle va également tomber sous ta tour, donc t'auras pas grand chose à faire. Chevalier qui va tomber sous la tour en face. Ouais, donc là tu testes un petit peu, t'envoies un premier fût, il défend avec le géant gobelin, sorcier électrique. En x2, t'aurais balancé une roquette ou pas sur le sorcier électrique? Ouais, complètement. Ouais. Ok, ta princesse défend parfaitement. Il va Là, tomber. j'ai mis le chevalier à tanker les sbires gobelins. Ouais. Et là, tu repars direct en fût ou pas? Ou ça coûte trop cher? Ça va coûter trop cher. Ok. De souvenir, ça coûte trop cher. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même et c'est une petite erreur selon moi. Ok. Parce que derrière, je suis obligé de bûcher et gang. Ouais. Ouais. J'ai mis princesse, mais ça va taper un coup. Ah oui, t'as pas mis le gang. C'était pas mieux le gang ici? Je pense que si, ça aurait été mieux. Ok. Alors là, il a assez d'élixir, toi aussi. Il va évidemment gérer avec un prince ténébreux. Ah non, ok, choisis électro. Pourquoi pas. Le gang qui va du coup te permettre de. Enfin, ce qui est fort, c'est que du coup là, tu peux le défendre tranquillement, il est obligé de remettre de l'élixir, ouais. C'est ça. Et là, je fais un bon play sur mon pêche. Parce que du coup, le prince ténébreux, il prend Oh, pas directement le fût. oh le pauvre! Ouais. Oh non! Aïe Donc là, aïe aïe. pareil, je remets le chevalier à tanker le ténébreux. Ouais, la bûche évidemment pour tempo, la charge, etc. Ouais. Ah, puis là t'es très bien. Et là, à ce niveau-là, vu qu'il a pas de bûche, bah, j'ai mon chevalier qui tanque. Ouais, Donc je peux mettre et là quelques c'est dégâts. très très dur. Ouais, il est obligé de remettre une troupe, mais dans tous les cas il se fait connecter, ça lui coûte cher également de défendre. Toi tu Ouais, vas c'est pouvoir ça. remettre une princesse, limite remettre une bûche. Ok, tu défends gang. Oui, voilà, ce que je veux dire, lui il mérite sa petite bûche. Hein. Voilà, c'est parfait. Après là, j'ai eu le temps de recycler la bûche Ouais, redéfendre ça. Ouais. pour les gardes. Parfait. Ouais, quand tu utilises que les petites cartes, ça cycle assez vite, hein, ce deck. Là, ton chevalier, évidemment, va permettre de faire une grosse défense. Son prince ténébreux est Donc un là, peu forcé. je remets la tour de l'enfer.
Ah oui, tu prends zéro risque. Ouais. Ok. Je voulais pas prendre des risques. Et du coup, là derrière, au niveau du fuit, là il met électro-sorcier, il aurait peut-être du boule de feu, je pense. Ouais, c'est Là, du coup, possible. je suis à portée de roquette. Ouais, après, Electro, si tu le mets sur un bon timing, tu prends qu'un coup, hein, mais. Faut le timing Zéro. parfait et c'est le timing très très dur à avoir. C'est ça. Ouais. C'est très rare. Waouh, bien joué. C'était propre, hein. Effectivement, il a subi, hein. Il était pas bien là. Il a subi le Non. match-up. Alors que normalement, avec un deck géant gobelin zapi, on est plus dominant et on cherche à aller de l'avant, mais là, c'est compliqué pour lui. Après, c'est vrai qu'en plus, t'as la roquette pour le zapi au cas où. Enfin, c'est quand même un match-up pas forcément évident, hein, pour lui. Ouais. Alors, Complètement. ensuite, tu en as une contre Lennart de Force 2014. C'est ça. Donc il nous Allez. joue un petit deck mortier, mortier mineur. Pardon. 3, 2, 1, go. Alors, un petit Mortier mineur. Et du coup, contre ce match-up, t'en penses quoi du match-up, t'as? C'est très très compliqué. Je pense Mortier et Arcic, c'est les pires pour moi. Ouais, Arcic, c'est. Je m'étonne. Arcic, c'est vraiment Arcic, c'est horrible. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Le fût qui est remis. Ah, tu vas gratter un petit peu quand même, hein, pas mal. Il a mis le dart un petit peu en retard. Ouais, du coup, là, il va gratter deux coups de tarte. Ouais, ah non, Deux, ouais, c'est. c'est ça. Bon, ça va, Ah bon, le ouais. golem de glace qui va tomber. Et par exemple, là, ma princesse, elle est niveau 12. Donc le dart, c'est deux coups pour tuer une princesse. Ouais. Alors que niveau 3, elle aurait eu le temps de, elle peut avoir le temps de tuer le dart. Ouais, je vois. Ouais, du coup, tu te prends une interaction pas très sympa. Oh, le mortier qui va chercher la princesse. Bon, tu pars quand même en fût offensif, mais potentiellement, tu peux te prendre un bon contre-push. C'est ça. Si j'agresse pas en fait, je me fais dominer et je passe Ouais. pas. Ouais, je vois. Bon, là, le dart, évidemment, va tomber sous la tour. Je le défends pas. Ok. Ici, du coup, est-ce que tu gardes le chevalier pour prendre l'aggro du mortier ou pas dans ce match-up? Normalement, oui. Si je dis pas de bêtises, J'espère que je j'ai fait sais. ça. Ah non, je l'ai mis cash. Non, ouais. Ah, par contre, il a mis mineur sur ton mortier, donc il était sympa. Mais si j'ai fait ça, c'est que j'avais trop d'élixir. Mais vraiment, je pense que c'est une bonne chose de le garder pour le tempo sur le mortier. Parce que si je Ouais. TDE le mortier, en fait, bah si mes dés battent ou quelque chose comme ça, bah C'est clair. c'est Non, c'est catastrophique. clair. C'est compliqué. Là, à gauche, évidemment, t'es obligé de redéfendre. Par contre, il va reprendre le target sur la tour, lui. Ah non, ça Ouais. va. Ah si, c'est Après, bon. il y a le Il a petit fait. gobelin qui était dessus. Ouais, c'est ça. La princesse qui Là, va par exemple, peut-être mettre un à chat. ce niveau-là, ouais. Là, je mets une bûche, mais. Aïe, aïe, un peu tard. Un peu Après, tard. effectivement, hein, si sur l'interaction, enfin, tu l'aurais à un niveau plus élevé, ce serait pas comme ça. Après, faut bien qu'il y ait des avantages à être free-to-play, hein. Ouais, c'est sûr. Qui est parfait, hein, le Mais. chevalier. Ouais, mais. Ah, c'était Là, propre. il y a le mortier qui a pris quand même Ah oui, la ah oui, tu la défends, mais au sur final, la bon, elle se prend princesse. un caillou, quoi. Là, je mets une bonne bûche à gauche. Était bien placé aussi, ton gang, hein. Il aurait fait moins de dégâts sinon si tu l'aurais pas mis devant comme ça. Je pense. Mais après, c'est ça, genre, tous les. Parce que du coup, bah, en tant que joueur de free to play, j'ai toujours joué le même Roquette? deck. Ouais, donc les placements à force, on sait où faut les mettre. Ouais. Et ici, les hordes, généralement, tu vas plutôt les gérer à la roquette ou plutôt avec Esprit de glace, princesse ou princesse simplement? Non, je préfère mettre une roquette défensive. Parce que si pré-shot ma princesse, bah, je C'est ferme le tout. game, c'est fini. Ouais, Ouais, tu c'est fini. m'étonnes. Et par contre, il repart fort à gauche, les battes vont Là, reconnecter. Ouais. j'ai mis un fût défensif parce que pour Waouh, tanker un peu c'était les la bêtes. galère. Ouais, t'étais pas bien ici. Hein. Non, j'avais rien du tout pour défendre. Puis il t'a déjà mis des bons dégâts. Ok, il repart en mortier défensif cette fois-ci. Double chevalier, bien sûr. Ouais. Donc là, il y a ma princesse qui prend le mortier. Du coup, ça, c'était pas mal. Ouais. Et après, c'est à droite qui va faire du bon travail ici, hein, qui va les gratter. Ah non, j'ai cru qu'elle allait prendre la tour et les battre, mais pas du tout. Elle prend les bateaux. Ok. Par contre, là, il va falloir re-roquette, du Ouais. coup. Non, Non. je l'ai tempo au chevalier. J'ai sacrifié mon chevalier. Oh non. Le pauvre. Ça tient. T'as repris un petit peu l'avantage. Au final, du coup, tu fais toujours des chips de mage à droite avec le fût. Et Et t'essaies de là, je suis def à comme tu portée peux de à roquette. gauche, quoi. Ouais. Ouais, tu prends quand même temps de bûcher à gauche, hein, pour pas te faire dépasser en vitesse. Je préfère assurer. Ouais, t'es bien débrouillé, hein, parce que c'est pas évident de réussir à défendre tous ces pushs. Hein. Ça va tellement vite avec le mortier, les mineurs, etc.
Et surtout que le mortier prend facilement l'aggro sur la langue de gobelin et derrière c'est compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. On est parti sur un petit peu de live? Ouais, ça marche. Allez, si tu es contre Agnello, tu as quoi en main de départ? J'ai princesse, tour de l'enfer, fuet gobelin et chevalier. Donc là Super, le fût. j'envoie un fuet. Ok, bûche, golem de glace. J'espère que Oh, t'étais pas dit. oh! Oh, un petit 2.9. Ouh, c'est vraiment compliqué ce match-up là. Et c'est le draw qui passe. Ok. Ah, ce qui va être problématique, c'est qu'il a les flèches. Ouais, c'est embêtant. Ouais. Après, c'est du coup 3 pour 3, mais du coup, c'est dur de les rater, les flèches. Ouais, il a préféré bouliste. Oui, il a raison, hein, c'est un meilleur Je pense play. que je vais roquette son bouliste. Ouais, tu peux. Enfin. Comme ça, il va Ah, peut-être bah un champion de gamme. parfait! Je vais tuer d'un coup. C'est sympa ça! Bien joué, Michel. Ok. Donc là, même si tu la zappes, dans tous les cas, le géant il va tomber tranquille, donc. Ah, il joue foudre aussi. Il joue Ok. foudre aussi. Waouh. Pourquoi pas? Il Double force un peu pierre, sur les pions ouais, combat là. c'est parfait. Je vais bûcher. Et je vais tenter une princesse offensive. Ah ouais, Ah, mais le si. problème c'est. Si c'est bon. Ah, Ah non. ça va, non. Non, ça passe pas. Ça marche plus. Bon, esprit de glace suffira, 10 élixirs, faire gaffe. Hein. Parce qu'il joue foudre, hein. Donc là, tous les jours, il va te foutre ta T2. Hein. Donc il faudra que tu en récupères une nouvelle. Elle va mourir d'un coup, normalement. C'est ça. Ok, super. Je vais roquette ces petites troupes qui sont derrière. Elbrist, il a survécu. Hein. Là, j'ai récupéré une. Ah, le bolis qui tape deux coups. Fais gaffe, il a le zap, hein. Faut que tu reprotèges plus. Après le zap, ouais. Maintenant. Oh Ah non. putain, le plus de flèche, quoi. Oh non! Reviens! Annule la partie! Ok, ça va. Oh, ça va. Oh non. Ouais, c'était sûr, ça. Elle voudrait pas le suivre, le chevalier, vers l'infini et l'au-delà. Ah, il me finit au fond. Putain. Mince. C'était dur, hein. C'est très très dur. Hein. Compliqué. Après, au final, ça te coûte autant, et lui, de la défense de l'élixir, hein, donc t'es gagnant. C'est ça. Et là, je vais. Ouais, j'ai placé une princesse. Donc bien sûr, t'as les 3 d'avance, vous avez autant. Let's go, let's go. Petite Elle flèche, est là. mais... Elle était espèce, du coup, j'ai fui. Ouais. Et là, il sort le fût de barbare. Armée de squelette, ok. Non, je suis un barbare, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être du molosse aussi, hein. Je sais pas J'ai trop, pas non, grand mais... chose à faire là. Les gangs, Ah, c'est ouais, molosse. mollo. Ouais, c'est bien ça. J'ai gang au fastif, du coup. Ouais. Bah, il gratte, hein. Il gratte bien, le gang. Du coup, moi, je préfère placer ma TDE assez haute pour prendre directement la couronne. Oh, oh. Ah, ouais. C'est le risque. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on appelle une punition. Hein. Oh, bien joué. Du coup, Du coup, je remets Ok. Il avait armé de squelette, mais il n'a pas encore assez de points. Ouais, je prends le va me tour. laisser cette tour. Non. Si tu la prends, ouais, parfait. Je pense que je vais juste bûcher. Et le mollo s'y fait mal, mais sans plus. Pas tellement. Non, non, pas tellement. Par contre, faut def ça. Hein, ouais. Voilà. Et là, je mets à peu près ces deux de côté. Parfait! Ça va bien gérer, c'est Quel ça. joueur! Donc là, il a récupéré ses flèches, donc je peux pas gang. Ouais. Je peux pas gang ni fuir en fait. Lui, j'ai Bah... trop d'élixir, j'ai le. Ah, il a joué un molosse. C'est ça. Bon, tu as Ok. gratté un petit peu. Évidemment, pas grand-chose, hein, la tour du roi est activée. Tant que tu poses pas le chevalier avec, tu feras pas beaucoup de dégâts. Mais en même temps, si tu posais le chevalier, tu prenais une grosse value. Hein. Ok. C'est pas mal ça. Hein. Il a claqué la pile de flèche. Potentiellement, tu peux gank chevalier là. Enfin, fût chevalier, pardon. J'ai fui, allez. Ouais, c'est ce qu'il fallait Comme faire, je ça prend pense. l'aggro. Ouais, parfait. Ok, moi là c'est gauche. Il a la horde en main, évidemment. Potentiellement, il met une horde derrière, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il osera pas. Ok, il a rage-quit ou... Je sais Ouais, il a pas, arrêté. Il a arrêté. Il s'impose devant ta puissance!
Ah non, il défend quand même. Il a un peu d'honneur, tu vois, genre, je perds que tu... Je passerai pas, mais toi non plus, hein. Tu feras pas le coffre à couronne. Alors, Caloy de 2-1. Ok. Luckbait, du coup. Esprit de feu. Voilà qui est intéressant. Ok, gargouille. Ah non, on est sur un deck vraiment maison en face. Bon, évidemment, ton esprit va permettre de bien gérer ça. Ta princesse également. On a la sphère mineure. Ah, on peut pas tous les avoir. Hein. Je vous zappe également, donc il a plus que 2 d'élixir à l'instant. T'as 1 d'élixir d'avance. J'ai 1 d'avance. Ouais. Exactement. Il est sur un deck très très cheap. Hein. Sur un mineur fût quand même déjà. Après, il a que le zap en sort. Ouais, mais les esprits de feu qui peuvent défendre parfaitement le fût. Ouais. J'ai fût quand même. Je vais voir ce qu'il met. Esprit de feu, je pense. Ouais, parfait. Ouais, c'est ça, parfait. Ok, là il refuse. Toi t'as ta bûche, t'as ton gang. Ah. Ah, ouf. Aïe. Aïe. Je vais prendre un coup de mini PK en plus. Non. C'est bon. Ça pourrait être pire. Ok, gang mineur à droite. Je mets des dégâts en bas à gauche. Ouais, donc, super. C'est le parfait ça. Ouais, clairement. Ok, il a 5 d'élixir, tu as 3 d'élixir. Le chevalier qui va mettre 2 coups ici s'il n'est pas défendu. C'est pas mal aussi. Les gargouilles, il va falloir les redéfendre avec un petit esprit, un petit truc. Ouais. J'ai okay. lancé le fût pour recycler. Ouais, super. T'as gratté, hein, t'as gratté un coup. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Carrément. Ok, 2412. Pour l'instant, c'est un bon avantage. Vous avez autant d'élixir, après, il a un deck rapide. Hein, donc, ça faut vraiment faire gaffe à chaque fois au push qu'il peut te mettre. Ça va aller vite. Hein. Ça peut aller vite. Calme. Ok, x2. Il a gang au fond, je sais pas si c'est une bonne. Il a cliqué le zap, hein. Donc il va devoir redéfendre aux esprits. Faire gaffe, hein, gargouille à droite. Ok, ça gratte un peu, mais ça peut être pire. Ouais. Je vais devoir défendre à gauche, tac. Hop. Oui, j'ai eu peur, je me suis dit. Par contre là. Ça. Et je vais laisser le gang taper. Oui, on est à gauche, c'est pas très grave. T'as plus pris à droite pour l'instant. Je vais mettre une princesse offensive. Ouais, super bien joué. Ça lui forcer une réponse cash. Ouais. Ok, je suis un peu derrière. Ouais, super, tu l'as vu. Nickel. Mineur gang. Oh putain, il a pas le temps. Son deck il est monstrueux. Là par contre, t'as déjà tes gobelins donc. Ouais. Pas forcément besoin de plus. Ouais, j'ai pas forcé. Super. Et là, tu vas remettre des bons dégâts. Là, j'ai pré-shot, mais. Ouais, ça a pas marché. Faut aller regérer les gargouilles, par contre. Ouais. Ouais. Il va forcer à droite. Il va gang à droite. Ouais, sûr. Ouais, par contre, tu peux faire une belle bûche ici. Super. T'as un bon avantage à gauche. Lui, il joue que ça, par contre. Il a pas de roquette, hein. Donc, toi, c'est plus avantageux. Ouais, hein. Oui. Oh, parfaitement. Oh, c'est bon. J'ai mis un petit coup. Ouais, parfait. Okay. Oh, allez! Un coup qui passe. C'est bien ça. Parce que lui, hein, ouais, il a que zap en sort hein, de dégâts, donc il pourra pas. Hein, il peut pas être TOS comme ça. Ok, donc t'as la princesse, hein, le gong des gobelins. Ok, il a lâché son zap. Ok, parfait. Ok. Okay. Allez, ça regarde bien. Allez, ouais, il faut gaffe à gauche. À droite? Non, c'est rien. Ok. Sinon, j'ai regardé. C'était chaud, hein. Mais c'était cool quand même. Il est marrant son deck, hein. C'est bien cancer comme il fait. Il était pas mal. Ouais, il va très très vite, hein. J'ai bien aimé. Ouais, carrément. Il jouait... Ouais, c'est ça. Il a un deck qui lui coûte 3.0. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais limite dit moins. Est-ce que t'aurais, toi, des conseils particuliers par rapport au logbait que t'aurais appris, toi, ou avec le temps, ou des trucs, par exemple, que tu dis que tu sais pas il y a 3-4 mois et que tu fais maintenant? Tempo, mettre la bûche sur le bouclier du prince ténébreux, c'est super important. Ouais. Parce que au final, j'ai l'impression que le prince ténébreux, il a plus de boucliers que de vie. Et enlever la bûche, c'est vraiment. Avec la bûche, enlever son bouclier, c'est vraiment top. Ouais, je vois. Tu disais, tu utilises la bûche sur le prince ténébreux. Sur le prince ténébreux, c'est ça. Ouais. Et ce que je savais pas aussi, que j'ai appris tout récemment, vraiment il y a 2-3 semaines, c'est que en fait, la roquette,
Si tu la places devant la tour et derrière la tour, elle a une vitesse différente et donc elle va arriver plus tôt ou plus tard sur la tour. Ouais. Et ça, des fois, je perdais mes matchs à 2 millisecondes Parce et que en tu fait, la mettais c'était derrière, comme. c'est ça? C'est ça, ouais. Je la mettais bien sur la tour, en plein milieu. Et en fait, si tu la mets devant, elle arrive un tout petit peu avant et ça permet parfois de gagner. Ok. Ouais, donc bien les mettre très très proches. Après, bien varier le chat gobelin, la Ouais. longueur du chat gobelin, c'est important. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, carrément. Surtout les joueurs, des fois, ils vont se rater, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais après, il y a des fois aussi, parce que quand j'ai pas trop possibilité de passer, ce Ouais. que je fais, c'est que je mets la roquette et le chat gobelin, donc le chat gobelin derrière la Ouais, roquette. ouais. Et du coup, quand ça passe, c'est top. Oui, ça c'est le one trick un peu du logbait. Ouais. T'envoies les deux en même temps. Par contre, ça coûte 9 quand même comme combo. Mais, Ça coûte 9, c'est ça. En fait, faut vraiment avoir de l'avance, quoi. Et effectivement, des fois ça passe et genre t'es trop refait quoi. Ah. C'est ça. Ben, il y a des fois, je suis à la limite de perdre mon combat et si ça passe, ça va. Je rentre dans le match un peu. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est ça, si j'arrive bien à bait, en fait, si les trois gobelins passent, Ouais. bah c'est limite fait. Ah, tu Après, m'étonnes. faut continuer à l'envoyer, bien sûr. Mais si les trois passent, c'est un avantage, c'est un gros avantage. Est-ce que c'est un deck que tu recommanderais en free-to-play? En free to play, ouais. Avec le cochon 2.6, je pense. Et en termes de cartes à monter en priorité, Le chien gobelin. le fût. Ok. Le chevalier et le gang. Ouais, c'est les trois cartes principales. Parce qu'en fait, pour information, hein, pour ceux qui ne savent pas, le fût, quand il a un niveau de plus que la tour, les gobelins à dague, il met en 3 coups de la tour et du coup, ça fait une différence monstrueuse. Ouais, c'est ça. Sur un niveau 12, j'ai complètement l'avantage. Ouais, c'est très dur hein, pour un niveau 12 hein, de gérer ça. Après, la tour de l'enfer niveau 13, je sais pas si ça dérange ou pas. Ouais, si elle est Parce un que peu plus basse, c'est ça? je l'ai eu longtemps 12. Bah, c'était Ouais. ma dernière carte avant de monter le reste. Et ça me dérangeait pas forcément de jouer avec. Ouais, je pense pas non plus que ça change vraiment grand chose. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est les dégâts haut de la tour de l'enfer. Mais au final, que ce soit 700 ou 650, Oui, c'est ça. bon, Après, ça ce qui change était un pas peu grand chose gênant, quand même. c'est La foudre. quand c'est un golem roquette, bah, Ouais. la roquette est one-shotée ma Ouais. TDE. La foudre aussi, du coup. Et foudre aussi, oui. C'était vraiment le petit point négatif. Mais c'est pas dérangeant. Bah, je suis monté à 6000 avec la tour de l'enfer niveau 12. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, du coup, pour tous tes bons conseils. C'est Merci à top. toi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser sur le deck, mais également sur l'aspect un peu free to play, sur les interactions, etc. Si vous avez des trucs particuliers à demander là-dessus. Voilà, là on a parlé par exemple de quelle carte monter en priorité. Mais si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, en tout cas, sentez-vous libre de les poser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une excellente journée.